ma chérie. Tu as un TV à banquer cette fois-ci. Sinon, je t'embarque avec moi. Et ce con Roland pourra toujours te courir après. Il ne te reverra jamais cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux? Je t'attendais. On doit causer, toi et moi. Ah bon? Alors tu rentres dans la voiture et tu te dépêches parce que je suis pressée, hein? D'accord. Bon, il n'y a plus de ça entre nous, hein? Oh, ça va. Tu as diablement changé quand même. On m'avait parlé de chirurgie esthétique. Mais à ce niveau-là, j'y croyais pas tellement, tu vois. Mais tu es belle comme un cœur. Je vais te dire, hein? Venant de l'homme que j'aime ou d'un parent, à la limite, je suis plutôt flattée. Mais venant de toi, alors si tu savais à quel point ça m'indiffère, alors maintenant on en vient au fait, hein. Oui. Venons-en au fait. À ce propos, tu t'es déniché un mec. Et plein de fric à ce que je sais. Mais j'en profite pas, moi. Je suis pas comme toi. Ne me raconte pas de bobards. On ne change pas. La nature reste la même. On se calme peut-être. C'est tout. Tu te sers de lui parce qu'il est plein de fric. Mais tu te trompes littéralement, mon pauvre vieux. Je l'aime, cet homme, et en plus j'attends un enfant de lui. Ça ne veut rien dire. Je t'en avais fait un, moi aussi. Parlons-en. Je n'en voulais pas de ton gosse. La preuve, je l'ai perdu. Un gosse d'un mec aussi feignant que toi. Mais tu rêves. Et qui utilise en plus la crédulité des femmes à ses propres fins. Vraiment, tu es loin d'être un homme, mon pauvre vieux. Vraiment loin. Mais je t'aimais, moi. Au début, ce fut tout beau, tout nouveau. Puis vinrent tes bons amis avec leurs idées pleines de vulgarité. Et de là, tout naturellement, l'idée de me mettre sur le trottoir n'a fait qu'un pas. J'ai eu beau te supplier, te faire comprendre, mais tu n'as rien voulu savoir. Tu es bien trop fière. Parader, faire le mac avec sa femme, ça fait bien devant les copains. Mais vois-tu, tu en as trop fait et tu en as trop profité. Maintenant, c'est terminé et tu m'as perdu à jamais. Tu vois? Si un jour ça devait casser avec Philippe, je préfère me tirer une balle plutôt que de revenir entre tes mains, tu entends? Alors maintenant, tu me laisses tranquille. Je vais te soumettre ma petite demande. Tu sais, à Lyon, la vie se fait de plus en plus dure. Et j'ai un mal fou à trouver un petit job fainard. Toi, chercher un travail, non mais je crois rêver. Mais si. Mais vu nos liens d'antan, j'avais pensé que... Bon, comment tu veux pour fermer ta sale gueule? Tu es toujours aussi direct, hein? Toujours, tu vois. Disons 500 000, et on n'en parle plus. C'est très bien, tu les auras. Bon. Plus 500 balles par semaine, en guise de remboursement, de frais, fringues, sorties, tout ça. Non, mais ça va pas. Où est-ce que tu veux que je trouve une telle somme? Et par semaine, en plus. Tu débloques ou quoi? Avec le mec que tu as? Ne me fais pas croire ça. Ces deux sommes sont une bagatelle pour lui. Avec tout le fric qu'il dépense pour ses films, tu veux rire? Demande-lui, ou alors demande à ton paumé donc. Mais attention, sinon tu m'auras toujours dans tes pattes. Tu es vraiment le pire des salauds. Hein. Si Philippe Roland apprenait ton ancien métier, ou s'il voyait certains films ou quelques photos en gros plan, je ne pense pas qu'il apprécierait. N'est-ce pas? Oui, tu avais bien préparé ton coup, hein? Oui, très bien. Te perdre m'a été dur, mais perdre du fric, il n'en est pas question. Alors, il t'a voulu, c'est très bien. Mais il doit manquer, et cash. Combien de temps est-ce que j'ai? Pour toi, ma couche, je te prie une heure. Une semaine, jour pour jour.
Je téléphonerai, ok? C'est très bien, mais maintenant tu dégages, tu vois plus ta sale gueule en face de moi. Ok, une dernière chose encore. Ou tu t'exécutes, ou je me sers en nature et par la force. Alors, paye. Sinon, je tue ton mec et je te ramène avec moi. Fort, tu sais pas où tu mets les pieds. Moi non. Mais je connais des tas de mecs qui connaissent les Roland. Et plus particulièrement le tien. Il y en a pas mal qui aimeraient se le farcir, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Mais ce petit chantage ne regarde que nous. Alors Philippe, tu le laisses à l'écart de tout ça, sinon tu le regretteras amèrement. Tu es bien sérieuse? Je le suis. Alors maintenant, tu nous fiches la paix. Écoute, tu veux que je te rappelle comment on se connaît? Maintenant, tu fiches le camp d'ici, tu t'en vas, dépêche-toi. Bon, t'énerve. Bientôt. C'est ça, à bientôt.